La rentrée scolaire 2022-2023 s'annonce déjà rose pour certains élèves de la commune du Golfe 6. Plus de 200 issus tous du milieu défavorisé, orphelins comme démunis, ils ont bénéficié chacun de dons de kit scolaire ce 6 septembre. Aussi, les deux meilleurs élèves au CEP de 2021-2022 de la commune, tenez-vous bien, toutes des filles, ont bénéficié des bourses d'études d'une valeur de 100 000 francs CFA chacune. Je suis très content d'avoir reçu ce cadeau. L'année prochaine, je vais bien travailler. Je remercie les donateurs. Je suis très contente. Aujourd'hui, j'ai reçu des bourses et je promets de travailler et pour être première de la classe. Je remercie les donateurs, le directeur et tous les enseignants. Au-delà des élèves, c'est toute la chaîne familiale qui est soulagée. Loin d'être anodin et isolé, c'est un geste bien pensé en fonction de certaines attentes clés et des réalités du terrain. Ce n'est pas tous les parents qui ont la possibilité d'aider, de pousser leurs enfants. Mais ce n'est pas que ces enfants-là sont des tarés, entre guillemets. Ils ont du talent, mais il faut que quelqu'un les aide. Donc on a mis sur nous, pour la deuxième fois d'ailleurs, de leur venir en aide en leur octroyant des kits scolaires pour leur favoriser de fréquenter comme les autres aussi. Initié par l'association Santé Plus, ce don est possible grâce à l'appui de la fondation Hussein Métérec. Une chose est d'aller à l'école et une autre est d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Et cette dernière option est la meilleure. C'est pour ça que nous essayons à chaque rentrée de doter les élèves issus de milieux défavorisés des outils essentiels à un bon apprentissage. Il faut noter que ces élèves sont issus d'une vingtaine d'établissements scolaires primaires publics de la commune.